à part ses réserves sur le genre de relation plus ou moins intime que je dois garder avec toi. Ma bouche est prête à n'importe quel heure du jour à exhaler comme un souffle artificiel le flot de mensonges que ta gloriole exige sévèrement de chaque nuit dès que l'aurore s'élève bleuâtre, cherchant la lumière dans les replis de satin du crépuscule. Comme moi, je recherche la bonté, excité par l'amour du bien. Place sur mon cœur cette interrogation délirante et muette. C'est moins pour la majesté de la forme, pour le tableau de la réalité, que la sobriété du style se conduit de la sorte. D'après le peu que j'en aperçois d'une unité énorme, ne va pas, même dans ses conséquences les plus arides, jusqu'aux frontières d'un vœu pour ta guérison. Et reste, au contraire, fondée par la mise en œuvre de sa neutralité plus que à regarder, ou du moins à souhaiter, comme le présage de malheur plus grand. Ce qui ne peut être pour toi qu'une privation momentanée de la peau qui recouvre le dessus de ta tête. J'espère que tu m'as compris. Le hasard se permettait par un miracle absurde, mais non pas quelquefois raisonnable, de retrouver ces espoirs précieux qu'a gardé la religieuse vigilance de ton ennemi, comme le souvenir en enivrant de sa victoire. Il est presque extrêmement possible que, quand même on aurait étudié la loi des probabilités que sous le rapport des mathématiques. Or, on sait que l'analogie transporte facilement l'application de ses pouvoirs dans les autres domaines de l'intelligence. Ta crainte légitime, mais un peu exagérée, d'un refroidissement partiel ou total, ne refuserait pas l'occasion importante et même unique qui
se présenterait d'une manière si opportune, quoique brusque, de préserver les diverses parties de ta cervelle du contact de la blessure. Surtout par l'arrière, par une coiffure qui, à bon droit, t'appartient, puisqu'elle est naturelle, et qu'il te soit serré. En outre, il serait incompréhensible que tu m'humiliasses de garder constamment sur ce sujet, sans courir les risques toujours désagréables d'enfreindre les rêves les plus simples d'une convenance élémentaire. Quand même une puissance supérieure nous ordonnerait, dans les termes le plus clairement précis, de rejeter dans les abîmes du chaos la comparaison judicieuse que chacun a certainement pu savourer avec impunité, même à l'heure, et surtout à l'heure, que l'on ne perdrait de vue cette action principale. Mais elle était contrariée par les sens, les livres, le contact de ses semblables. Et le caractère inhérent à chacun qui se développe dans une efflorescence rapide imposerait à l'esprit humain l'irréparable stigmate de la récidive dans l'emploi criminel, en se plaçant momentanément et spontanément au point de vue de la puissance supérieure d'une figure de rhétorique que plusieurs maîtrisent, mais que ensemble. Pour clore ce petit incident, qui s'est si même dépouillé de sa langue, par une légèreté aussi irrémédiablement déplorable que fatalement pleine d'intérêt, ce que chacun n'aura pas manqué de vérifier, à la condition de ce que ses souvenirs les plus récents. Il est bon, si l'on possède des facultés en équilibre parfait, ou mieux, si la balance de ce que ne l'emporte pas de beaucoup sur le plateau dans lequel reposent les nobles et magnifiques attributs de la raison, c'est-à-dire à faveur plus claire, car je doute aussi ce que même plusieurs n'admettront pas à cause de mes douleurs qui ne sont imaginaires, puisqu'elles remplissent leur but de traquer avec le scalpel de l'analyse les fugitives apparitions de la vérité jusqu'en leur dernier retranchement. Si l'intelligence prédomine suffisamment sur les faux sous le poids desquels ont étouffé en partie l'habitude, la nature et l'éducation, il est bon, répétais-je, pour la deuxième et la dernière fois, car, à force de répéter, on finirait, le plus souvent ce n'est pas faux, par ne plus s'entendre, de revenir la cabasse. Si même, il est vrai que j'ai que, au sujet dramatique, cimenté dans cette strophe.